moi, j'ai toujours aimé l'histoire. Moi, j'ai toujours trouvé c'était la simple curiosité de savoir d'où est-ce qu'on vient, d'où est-ce qu'on sort. Là. C'est cette importance-là, c'est le devoir de mémoire. Le village Choc Acadien, c'est un village reconstitué de bâtiments originaux, je dirais à 75 %. Puis un quart des bâtiments sont des reproductions qui auraient existé à l'époque. Le village a été conçu à la fin des années 60, début 70, pour essayer de sauvegarder le patrimoine bâti, le patrimoine immatériel aussi, immatériel des Acadiens du Nouveau-Brunswick. Bonjour. Rentrez. Ah, on a d'autres chambres. Ici, vous êtes dans la maison de M. Jean Balthazar Martin et c'est la maison la plus ancienne acadienne du Nouveau-Brunswick. C'est une maison qu'on a trouvée dans la région de French Village, tout près de King's Landing à Fredericton. Et c'est ça qui est spécial dans le village aussi. On a des maisons traditionnelles qui appartenaient à des Acadiens de la place. C'est ça qui est important pour le visiteur, de voir que l'intérêt est là. Et moi, c'est quand même satisfaisant de voir que je fais le plus vieux des caractères du village et que je peux faire le même produit que lui aurait fait dans le temps, des balais tillés avec du bouleau. De quoi que je pensais que jamais j'aurais pu faire, mais qui est si facile un coup qu'on l'apprend. C'est pour ça que c'est important d'apprendre ça de nos pères. Le choix du site a été Caraquet en 1970, et puis ça a ouvert en 1977. Donc ça a pris 6 ans à acheter des antiquités, à former des gens, à trouver des gens qui étaient âgés à l'époque, qui avaient encore le savoir-faire de certains métiers. Donc on a tout mis ça ensemble et on a ouvert au public. Et puis on avait seulement 17 complexes, donc on avait à peu près 30-40 bâtiments. Là, il y en a d'autres là-bas. S'il y en a qui veut aller les chercher pour nous aider dans le temps que je commence à les placer, un à la fois, deux, c'est correct. Vous pouvez tous aller les chercher. Vous 30 minutes, il va être prêt. C'est un cycle historique, ça fait. On n'a pas d'affiches comme dans le temps. Il n'y avait pas de numéro sur les maisons, il n'y avait pas de flèche pour dire où aller. On a des interprètes dans les maisons, on connaît toutes les maisons. Ça fait que c'est nous autres qui vont être les guides de chaque maison pour lui dire ce qu'ils veulent. Parce qu'un coup que le visiteur va rentrer dans le village, on dirait qu'il va décrocher du maintenant, puis il va se trouver d'un autre monde jusqu'à la fin. Parce que là, il n'y a pas d'auto, on n'entend pas de bruit, il n'y a pas d'avion au loin, il n'y a rien. C'est le total silence. La seule chose qu'il y a, c'est le cheval avec le chariot qui passe de temps en temps pour ramasser du monde. Puis le reste du temps, c'est les enfants sont libres de courir, de visiter partout. Il y a des canards et tout ça. Ça fait une belle ambiance de famille aussi. Quand la bobine va être pleine, il va falloir que j'enlève le fil pour continuer de filer. Ça fait que je vais le sortir de l'aiguillon. Je vais venir l'attacher au dévidoir, puis je vais tourner, ça va vider la bobine, ça va me faire un écheveau. Puis après, on peut teindre la laine, si on veut, avec nos différentes fleurs ou nos écorces qu'on va bouillir en premier. Mais moi, je tisse au métier une étoffe blanche. On va faire des couvertures à partir de l'étoffe. Ça va montrer au monde aussi que les Acadiens, ceux qu'ils ont passé au travers durant la déportation, ça va leur montrer le courage qu'ils avaient de recommencer une deuxième, une troisième fois. C'est pas évident quand tu perds tout puis tu commences à neuf. Ça va lui démontrer comment courageux puis l'espoir qu'ils avaient pour continuer à vivre. Enfants avec les parents. Moi, j'adore le village, j'adore l'histoire, j'adore jaser avec le monde et j'adore de transmettre l'histoire des Acadiens. À la fin de la journée, bien, on est fiers qu'on a pu quand même donner un peu d'histoire aux visiteurs, les faire sentir à l'aise aussi dans le village, puis de connaître l'histoire acadienne.